Hey cucu mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de House Flipper. Je vous ai prévenu déjà les deux dernières semaines, je suis en train de prendre de l'avance sur le tournage des vidéos, donc je n'ai pas trop avancé dans mon jardin perso, mais j'ai quand même tendu la pelouse les gars, regardez ça! Tout est tendu, hein, on a tendu la pelouse, ça m'a pris un temps infini parce que c'est très grand, hein. Le jardin fait quand même 1330 m². J'ai laissé quelques petites machins, là, ici et là. J'ai laissé les arbres, je suis même pas sûre qu'on puisse les supprimer. Non, bon, tant mieux, moi ça me va très bien d'avoir les arbres. J'ai tendu la pelouse, je suis refaite. Voilà, j'ai laissé un petit peu là. Et j'ai enlevé les arbustes aussi qu'il y avait devant, parce que ça, je changerai. Je n'ai pas changé les dalles, tout ça. Mais j'ai juste mis un petit peu de petites lumières, parce que c'est mignon, les petites lumières. Puis ça fait piste d'atterrissage, comme ça quand on arrive dans la maison quoi. Donc voilà, j'ai au moins fait ça, hein. J'ai au moins pris le temps de tondre la pelouse. Et puis bah comme je vous ai dit en fait, j'aimerais bien en fait faire le jardin avec vous en live. Donc au moment où vous regardez cet épisode, je suis rentrée de vacances mais je suis genre libre que depuis hier. Donc il y a un moment donné, voilà, c'est pour ça que je le fais en avance. Mais peut-être qu'après, je vais faire des tests pour voir si House Flipper passe encore une fois ou sur YouTube ou sur Twitch. Et je vous préviendrai en conséquence si j'essaye de faire un live pour mon jardin. Donc, prenez votre mal en patience. Ça devrait plus tarder. En tout cas, si je n'y arrive pas, eh ben, je le ferai de mon côté. Et sinon, ben, on fera ça en live tous ensemble. Allez, on est parti pour une nouvelle mission jardin. House Flipper Garden. Avec, bien sûr, ben... Voilà, hein, toujours les petites missions. Alors, la pelouse tondue par mon mari. Bon, ça, comme je viens de me taper une tondeuse, là, je vais plutôt transformer la décharge en une salle de sport en plein air. Ah, bah oui, ça, c'est plutôt sympa. Robert Balboa, c'est pas Rocky, c'est Robert. Pour ceux qui connaissent pas Rocky Balboa, bah, c'est les films Rocky. Bon, je suis pas une fan, hein. Je pense que je les ai jamais vus, ou peut-être un, je m'en souviens plus, c'est tellement c'est vieux. Mais voilà, c'est Rocky, c'est très connu, quoi, avec Stallone, quoi. Alors... Bonjour, avec nos voisins, nous avons décidé de faire disparaître la décharge publique du terrain abandonné situé à côté de nos maisons. Les autorités locales nous ont permis d'y aménager une salle de sport en plein air. C'est sympa, hein? L'idée est cool et tout, et bien, vraiment. Nous avons déjà collecté beaucoup d'argent pour cela, et nous avons besoin de quelqu'un qui se chargera de la réalisation de ce projet. Il faudrait enlever toutes les ordures, mettre en place les surfaces appropriées, installer les appareils d'exercice, etc. Nous comptons sur une coopération fructueuse. Eh ouais, nickel. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ok. Avec une petite musique qui est donc nouvelle. Voici la décharge et voici le quartier. Bon, c'est des petites maisons quand même. Hein. Ils sont bien. Alors, on va quand même avoir pas mal de choses à faire. On va juste visiter pour l'instant. Et puis à chaque fois, c'est des... Ah ouais, punaise, regardez le nombre de trucs. Il y a 11 parties. Au moins. Alors, nous avons des super dalles bien dégueu. Nous avons... Oh, la vache! Ramasser la pelle. J'ai pas envie de ramasser, monsieur. Oh, mais c'est vraiment une décharge. Eh, est-ce qu'on fait un quiz fou? Alors, un quiz quoi? Il y a des bouteilles. Ouais, mais il y en a beaucoup trop. Hein. Il y a les cartons de pizza. Allez, on va faire un carton de pizza. Un défi carton de pizza. Je vais faire le tour et puis on va compter les cartons de pizza. Alors attention, ça c'est pas, c'est du ciment, ce n'est pas des cartons de pizza. Ça y est, plein de cagettes, c'est magnifique. Encore du ciment. Oh non, mais franchement, c'est dégueulasse. Hein. Ok, on arrive aux pizzas avec un espèce de rebut de canapé. Des bouteilles. Alors... Les pizzas, ça commence. Il y en a un peu moins, hein, donc ça va être facile de compter, parce que là, les bouteilles, laissent tomber. Hein. Voilà, voilà, on fait le tour, hein, on grimpe. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles. Ah ouais. C'est quoi, ça? C'est un sac plastique. Ok, et quelques petits cartons, encore une bouteille. Des... Oh, il y a une petite niche pour chien. Oh, c'est trop chouk-chouk. Ok, ça c'est fini, on a vu le terrain. On peut pas rentrer? Ah non, mais là je suis tristesse. Pourquoi on peut pas rentrer dans la petite cabane? Moi j'aurais voulu voir ce qui se passait dans la petite cabane. Moi j'aime bien regarder dans les maisons. Vous avez remarqué, hein, je suis un peu une grosse curieuse. Bon, allez,
Bon, on est parti, hein. Arbuste planté, 4 arbustes. Ouais, non, mais alors, attendez. Je vais. Déjà. Qu'est-ce que... On doit nettoyer avec le jet d'eau? Ah oui! C'est vrai, on peut nettoyer. Ah, oh, avec mon jet d'eau, chérie. Et là aussi, ça se nettoie avec le jet d'eau? Non, il se nettoie pas avec le jet d'eau. Comment on fait pour nettoyer? Comment on fait, madame? On peut pas nettoyer le tag? Attendez. Je sais pas. Eh, c'est quoi ici? Tondez la pelouse? On va tonder la pelouse. Allez, bon, c'est un petit bout, donc on va faire au moins. Tac, tac, tac. Ici aussi, vous voulez qu'on tonde la pelouse, non? Bon. Jet d'eau, parce qu'on va nettoyer apparemment. Oh là là, oh c'est la vie, le jet d'eau, c'est la vie. Ah, ouh, j'en ai le calfut tout propre, hein, avec ce jet d'eau. Bon, en même temps, j'ai pas mon super balai, donc c'est le jet d'eau qui nettoie. Voilà, on va commencer à tout nettoyer. Alors, je nettoie avant de virer les saletés. C'est vrai que c'est un peu bête, ça, madame. Allez, hop, on enlève tout. On enlève tout. Ça, c'est un caillou. Tac, touk, tic, tuc. Oh la vache. Oh la vache. Heureusement que mes skills en nettoyage sont bien, ce que vous imaginez. Vous faites ça au début du jeu. Oh, vous n'avez pas fini, hein. Un à un, les trucs et tout. Allez, les palettes pour faire des meubles. Ah, s'il vous plaît, merci. Hop. J'ai envie de voir ce que c'est. On va faire ça. Hein. Alors, je veux bien, hein, mais dans l'idée que c'est pas réaliste, parce que là, je plante, mais je mets où? Je le mets où, mon, ce que j'ai ramassé? C'est débile. Est-ce que je le mets à côté? Donc, en fait, c'est le mont... Ah, il n'y a pas besoin de creuser. Mais non, je vais pas creuser, Coco. Putain, mais alors, ce petit bout-là, il va me casser les couilles. Ok, donc, bon, c'est magique, hein, dans Super... Oh, punaise, tout est parti d'un coup. J'adore. Tout est parti d'un coup. Tac. Mais bon, c'est quand même pas réaliste, hein. On prend le tas, mais on le met à côté, il disparaît. House Flipper, c'est la magie. C'est la magie. Oh là 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 là. C'est qu'il y en a à nettoyer ici, hein. Tac. Il y a une petite bouteille qui est toute seule là. Ah ben, c'était parti. Plus les trucs ils bougent. Il y a une petite bouteille de vodka qui est tombée là. Hein? Oh! Bah oui. Oh, les trucs ils bougent, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression d'être bourré. Tu sais, ils grossissent un petit peu avant de disparaître, c'est trop bizarre. Hop, hop. Ok, merci madame. Une petite bouteille de vodka ici. Alors ça, on va vendre. Enfin, on va supprimer. Tac, ramasser à la pelle, non. Ouais, vaut mieux que je fasse ça à la main parce que... Je sais pas, je me sens mieux visée à la main. Ah là là là! Non. Hop, ça se vire. Ça vire. Ça vire. Il y a une petite bouteille là. Avec ses copines. Il n'y a plus rien dans le tas. C'était beau hein, quand même. C'était magnifique ce terrain vague bien cracra. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu de cracras. Hein. Là, j'avoue, ils ont tapé dans le mille. Hein. Il y a un petit sac de ciment ici, bah alors! Qu'est-ce que ça veut dire? On nettoie pas bien comme il faut? Il ne reste plus beaucoup de trucs à nettoyer. Voilà. Il faudra. Mais c'est trop cute, le truc de chien! Bon. On va devoir faire de la pelle maintenant. Allez, pour votre plus grand plaisir. La pelle magique! J'aime bien en plus ça. Ça creuse vraiment des trous. C'est-à-dire que si je vais pas sur le bord mais que je fais qu'au milieu, il va rester des trucs sur le côté et tout, comme tout à l'heure. Il restait un mini truc. Ah bah non. Oh, c'est parti. Spati. Spati, spata. Hop. Vous voulez une omelette aux déchets? Qu'est-ce que c'est en dessous? Ah, il y a des déchets en plus encore. Vache.
Vous voyez, là, il y a quand même des petits trucs qui restent tout seuls. Faut que je repasse derrière. Ouais, donc c'est quand même un petit peu réaliste. En soi, c'est juste un peu réaliste. Pas non plus énormément, mais... Ouais. L'appel magique. D'accord, il veut pas que je l'enlève. Ah, d'accord, parce que c'est relié à ce truc-là. Ok. Il reste toujours là. Touk, touk, touk. Et des trucs, c'est tellement minus. Ok. Ok. C'est comme que ça me fait penser à du pudding, je sais pas pourquoi, comme un gâteau en fait. On tape dedans et puis bah. Ah voilà, c'était une grosse pelletée quand même, hein, monsieur! Et puis en fait, voilà, ça va de moins en moins. Le petit bout, il est parti. Ok. Ah, la musique. Attendez. Non, non, c'est juste que. Bon, j'ai pas fini avec ma pelle, hein. Et puis encore des ordures en dessous, regardez, il y a encore des canettes. Oh, des pizzas! Ah, votre compte de pizza, il s'augmente d'un. Le défi pizza. Enfin, le défi boîte à pizza. Parce qu'en vrai, des pizzas, on sait pas s'il y en a encore dedans. Pas comme la maison, il y avait une pizza encore dessus. C'était drôle, ça aussi. Toulalou. C'est pas que c'est pas passionnant, mais quand même. Je vous m'attends d'accélérer, je pense, parce que c'est pas passionnant. Voilà! On a fini, les gars. Un petit coup de truc de ciment. Un coup des bouteilles, un coup des canettes, un coup des bouteilles canettes, un coup la pizza. Elles sont encore en bon état alors que c'était au fond du truc. Hein. Voilà, maintenant on y voit plus clair, c'est quand même beaucoup plus propre. Enlever les mauvaises herbes, disperser la surface sable, placer l'objet. Ok. Je pense qu'ici on va devoir tonder la pelouse. Du moins ce qu'il en reste. Moi je tonde la pelouse et je coupe les mauvaises herbes en même temps. Nouveau point de compétence, et ça c'est bien. Ah, bonjour monsieur l'arbuste, je vous avais pas vu. C'est pas monsieur l'artiste, c'est monsieur l'arbuste. Excusez-moi, je suis coincée. Voilà. Toujours repasser un coup pour les mauvaises herbes, hein. Faut pas déconner. Ah, et puis ça veut dire aussi que je vais devoir foutre de l'herbe, non? Oh punaise. Ah! Encore pas passer les petites mauvaises herbes. Hop! Hop, 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 hop. On ne s'en va pas de chez moi si facilement, messieurs, dames, les orties. Les orties, c'est pas mes amis. Les orties sont pas à nos amis. Il faut les traiter ainsi. Il faut les exterminer avec de broussailleuses. Savez-vous, vous-même aussi, que vous avez je dis de la merde. C'est la fête du slibar. Ouais. Je suis très concentrée. En fait, comme j'ai déjà tondu tout à l'heure, j'avoue, j'ai déjà utilisé tous mes skills de blague tout à l'heure. Mais bien sûr, je ne filmais pas parce que c'est dans ma propre maison. Non, je rigole. Je n'ai pas parlé non plus. Hein. Si j'ai pas obligation de parler, je parle pas hein, quand même. On va pas se leurrer. Hein. On va pas le temps de niaiser. Hein. Bon, les orties, les picots, là. Les picots. C'est vrai que j'appelais ça les picots, moi. Quand j'étais petite. Ma famille appelait ça les picots, quoi. Les orties. On appelait ça les picots. C'est drôle de se remémorer ça. Punaise, la nostalgie, quoi. Et ouais. La nostalgie, on pensait pas notre temps devant un écran. J'en avais qu'une vieille console. Très très vieille console. Et donc on jouait pas vraiment. On avait pas. Voilà, on jouait, passait pas notre temps à jouer, quoi. On voit les mauvaises herbes, 80%. Effectivement. Il me reste encore un ou deux tchobits et chités.
Je brin là. Tiens, je n'ai vu un derrière là. Je n'ai. Eh, je crois chaud ici. Oh, et les chemises à la poche ici, Théo. Là, je n'ai vu deux. Alors, tu me laisses pas faire, hein, forcément. On peut avancer, hein. Là, il faut juste de l'herbe. Ok, disperser surface sable. Oh, pavé en béton. Ok, d'accord, il y a pas mal de choses à faire. J'ai cru voir passer une voiture ou c'est moi qui fume? Je crois que j'ai fumé, mais je fume pas. Mais j'ai fumé. Je vous jure, j'ai cru vraiment voir une passer une voiture. J'ai l'impression d'être dans les Sims ici. Oh my god, ça y est, ça ne va plus. Je cherche les mauvaises herbes en fait, mais je crois que je dois plus en avoir. Ok, bon. On va y aller par étapes. On va faire... bon, celle-ci, alors c'est quoi? Placer l'objet 3 supports de vélo. D'accord. 3 supports de vélo. Ah oui, alors, jardinier. 11 pelouses tendues, 28 plantes plantées, 218 arbres coupés. 218 arbres coupés, je pense pas. Bon. Nous allons faire améliorer ça. Puisque ça, à venir, bah, comme je l'ai pas... C'est pas... Voilà. Alors, c'est quoi déjà les supports de vélo? Support. C'est-à-dire que vous pouvez aller chez ici à la salle de sport en plein air. Un vélo. Vous garez votre petit vélo, vous faites votre sport, mais vous pouvez pas vous laver et vous rentrez chez vous tout sale, tout puant. Et c'est la fête des voisins après. Ce souci de symétrie. Voilà, c'est plutôt bien, on va dire. Ok, ici c'est fait. Ben voilà, j'ai fini mon travail. Maintenant je m'en vais. Allez, au revoir. Ici, répandre l'herbe au rouleau dans la zone. Ok. Ça va être moment détente. Rouleau de herbe. Rouleau. Du grand gazon. On va en acheter plusieurs parce que il va y avoir plusieurs à. Comme en plus il faut que ce soit au bord et tout le tralala. Voilà, voilà. Ah ouais, c'est vrai que ça n'aime pas du tout se superposer. Donc c'est bien chiant. Mais je peux te poser ou quoi là? Je me mets... Casse-burne. Ça veut dire qu'il faudrait que je pose des petits. Bon bah il faudra que je pose des petits, tant pis. Hein. Allez, on est bien. On va utiliser... On va... Ouais. C'est satisfaisant, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant. Ah. Oui. C'est limite encore un truc porn et on va encore me dire mais t'arrêtes de faire des bruits bizarres quand tu déroules de l'herbe. Ouais mais c'est calme, c'est tout, c'est zen, c'est... J'aime bien dérouler de l'herbe. Alors, est-ce qu'il me dit que j'ai fini? 97%. À cause de ça, je suis sûre là. Ce bout-là n'est pas recouvert. Parce que, vous voyez, c'était... Il y avait un bain. Et franchement, ça passe, hein. Je suis sûre que c'est ce bout-là. On va sortir un petit rouleau. Un rouleau. Un petit gazon. On va utiliser. Hop. Oh, bah, écoutez, je vais aller jusqu'au bout. Parce que c'est sympathique aussi, quand même. Bah en fait non, hein. 97%. Mais c'est quoi votre problème, monsieur? Moi je vois pas. C'est là? Non, vous avez pas commencé à me casser les burnes pour les 3 mm, hein. Allez, zou, j'ai fini. Ici. 4 arbustes de conifères type rampant inversé. Rien que ça. Conifères type rampant inversé. Oh my god. Plante. Conifères type rampant inversé. Ça. Ok. Bon. Allez, on va prendre cela. Il m'en faut 4. Alors, comment je vais les placer? Y aura-t-il assez de place? Tac. Je pense que oui, mais c'est étudié pour quand même. Excusez-moi, je me pose la question. Ouais, c'est bon. Alors,
Moi et mon souci du taille. Déjà, j'ai pas aligné les popos. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je me prends la tête. Excusez-moi, c'est la perfection qui prend le dessus. C'est pas aligné. Pourquoi j'ai pas aligné? Pourquoi j'arrive pas à aligner? Pourquoi j'arrive pas à aligner? Celui-là, il est vraiment pas aligné. La meuf qui se prend la tête. Si vous avez une heure devant vous pour la mission, je pense qu'elle va être longue. On est déjà à 20 minutes, tout va bien. Allez, on va planter, on va pas... Hein, y en a, ils mettraient n'importe comment, ils en ont rien à secouer. Moi, j'aime bien faire les choses bien. Le jet d'eau, oui, le jet d'eau. Le jet d'eau, c'est la vie. Et vous aussi. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Écoutez, ça commence à prendre forme, tout ce merdier. Alors, ici. Nettoyer les salissures, 50%. Tu veux quoi? Que je te salisse quoi? Attendez, là parce que... Ici... Tondez la pelouse. Ah, je suis sur cette surface là. Ouais, je comprends pas. J'essaie de comprendre où je suis, hein, parce que... Là, mais ici, il me dit quand même nettoyer les salissures 57%. J'arrive pas à nettoyer, moi, ça. Bon, c'est pas grave. On va laisser tomber. La mission sera jamais en... Voilà. Dalle de béton 100 x 100. Alors, dalle de béton. Ça doit être dans surface. Non, chemin de pierre, peut-être. Non, bah non. Surface de sport. Dalle de béton. Tête de chat. Oh. Dalle de béton. 100 x 100. Alors, c'est quoi? Dalle de béton. Wow. Pavé? Oh, je sais pas, hein. Commencez pas à me casser les... Ok, d'accord, dalle. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Moi, je m'en fiche. Il fait en faux deux. Ça va pas du tout être raccord avec ce qu'il y a là, mais bon... Ok. Ça, c'est fait. C'est pas du tout un raccord, vous voyez, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. Ici. Planter deux arbustes conifères forme ovale, deux arbustes conifères type rampant. Alors, arbustes conifères ovales. Il y a plein de conifères type ovale. Type ovale, forme ovale. Attendez. Forme ovale. C'est ça. Oh, il y en a deux. On va les mettre là. Et type rampant. Arbuste conifère type rampant. Il n'y a pas de... C'est celui-là. J'espère que c'est pas rampant. Non, parce qu'il l'aurait mis rampant inversé. Donc là, j'ai déjà mis... Ou justement, on va rester dans la thématique. On va dire que... Mais il n'y a pas assez de place, monsieur! Si, là. Allez. On va pas se casser les buburnes, hein. Maintenant, lui était bien placé. C'est celui-là que j'ai pas bien placé. La relou. Alors là, je mets de la minimap parce que sinon, j'arriverai jamais à le placer au bon niveau. Et il y a l'autre qui est pas bien placé non plus. Juste, voilà, bouger un poil. Hé, je suis coincée. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On plante.
Voilà, ça c'est fait. On est sur une entrée quand même un petit peu mignonne. Voilà, bon, ça dépasse un petit peu ici, mais bon, c'est nature. C'est quoi ici? Rouleau. D'accord, donc c'est juste de l'herbe ici. On va mettre un grand. Ça devrait être assez bien. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas que je mette un grand. Et t'as tendance à me saouler, le jeu. Un gazon normal, alors. Bah oui, mais regardez, moi, maintenant, je suis obligée d'en mettre plusieurs. Hein, avec vos bêtises. Bon, ok, il veut pas. On va devoir le faire après. Dégager le chemin. Mais quoi? Dégagez le chemin devant vous pour continuer à poser le gazon. Quel chemin? Mais quoi? Mais pourquoi il veut pas? Oh non! Mais moi j'ai rien à dégager? Ah! Mais n'importe quoi, il a fallu que j'arrose la pelouse pour faire partir le tag. On est d'accord que c'est complètement débile. Mais laissez-moi utiliser ma pelouse, les gens. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens-là? Alors, voilà. Donc. Bah oui, bah je peux pas faire autrement, Jean-Jacques. Pas grave, hein, on va faire ça comme ça. Hein. Ça va vous coûter plus cher. Hein. Par contre, hein, parce que là, si je dois faire 10 000 rouleaux, bah tant pis. Hein. Moi, la facture, elle va augmenter d'autant. Hein. J'espère que vous allez bien me payer. Parce que là, pour l'instant... hein. Bon. Bénéfice de 8 000 déjà, ça va. Pour l'instant. Puis s'il est pas content, eh ben... il ira à sa mère, hein, et puis moi je lui dirais, bah écoute, t'as pas été compétent. Oh là là, c'est tellement mal fait là, il y a des raccords qui sont pas faits. On va devoir utiliser. Bon, du coup là, comme ça. Hop. Il va me dire, mais tu pas fait jusqu'au bout, hein, 96%, c'est pas bien, hein. On va remettre un petit rouleau, parce que j'ai que ça à faire, de mettre des rouleaux d'herbe, hein, on est d'accord. Je vais en mettre un ici. Hop. Voilà, mission qui dure 100-700, quoi. Voilà, allez. Pas casser, me casser la nénette, hein, comme on dit. Là, ça c'est fait. La perfection au masculin, comme on dit. Hop. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est fait. Ah, Jean-Pierre, on a fini l'entrée du... Regardez. Ah oui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Hein. Alors, ici... sable. Est-ce que je fais pas les côtés avant? Je sais pas. Ça va être long, le sable. Oh, j'ai pas envie. Oh là 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 là. Poser au béton. Oh là là là. Trois bancs et tout. Aïe aïe aïe. Trois arbres à port arrondi, hauteur 5 mètres. My god, tout ce qu'il faut faire. Putain. Vous avez prévu votre journée de demain? Aussi pour la mission, parce que là, c'est pas possible. Je vais devoir faire des cuts énormes et des accélérés, c'est pas possible. Hein. Pff, moi, j'ai pas fini. Hein. J'aurais pu écrire hein, approximativement autant de temps. Ici, il y a quoi? Planter des arbustes. Largement conique. Attendez la pelouse. 92%. Oh. Écoutez, on va planter les trucs là. On va planter les arbres. 4 arbustes de conifères forment largement conique. Arbustes. Que je m'y plante. Largement conique, c'est ça. Donc on va en prendre 4. Puisque Jean-Pierre, il a dit qu'il en voulait 4. Mais avance! Oh là là! Ah! Qu'est-ce qu'il est lent à se déplacer quand il a un sapin dans les bras, ce mec.
Est-ce que c'est bien? Non. Ce souci du détail me tuera. Allez, Osef, c'est bon. J'ai pas le temps à perdre avec tout ce qu'il faut faire. Donc ici, nous avons fini, a priori, la tâche. Ici, on doit juste foutre de l'herbe et tonter l'herbe. On va mettre de l'herbe. Hein. Par contre, je commence à plus rien voir. On va mettre le flashlight. On va y aller au gros rouleau. Enfin, je sais pas. Grand gazon. Allez. On va dépasser peut-être un peu chez le voisin. Il veut pas. Il veut pas dépasser chez le voisin. Donc, on va mettre ça là. Et on va mettre ça. Ok, on va faire celui-là. Un prums, hop, c'est parti. Sur une longue surface. Et je peux pas aller plus loin, non. Je suis tristesse. Celui-là, il va aller au bout. Satisfaction. Arnaque avec la petite truc au milieu là, non, quand même. Oh, ce que ça me plaît pas, moi, cette histoire. Allez, on va y aller. On va prendre un petit rouleau, si on a que ça à faire. Petit gazon. Frustration. On va voir si le petit rouleau il est infini aussi, celui-là. Ce trou est affreux. Alors, on va reprendre ici. Il y a des trucs bizarres ici. Rouleau, on va prendre le gazon moyen. Ah non, on va prendre le grand. Je suis sûre que je pourrais pas l'utiliser loin. Ah, punaise, je vous jure. C'est un peu arnaque quand même, hein, j'ai envie de dire. On est un peu frustré, hein. J'aurais dû le mettre avant de mettre les arbres. Mais bon, les arbres, pour moi, ça m'avait l'air moins compliqué à faire. Là, je vais être encore bloquée. Parce qu'il y a une vieille branche qui bloque. Oh. L'envie de saccager le truc, quoi. Ok. Bon, 93%. Vous la sentez, la frustration, ou pas? La perfection masculin. Oh. Viens là. Tu t'as pas pu aller plus loin, mais moi je vais te faire aller loin, moi. Oui, on va déjà faire ça. Ok. Celui-là. On est à combien? 95. Pff. Deux vieux pourcents, quoi. 95. J'ai recouvert, il me dit 95. Cette blague. Eh, fuck, hein. Fuck, hein. Fuck. Allez, hop, on laisse tomber. Du sable. On est parti pour le sable. Je vais être traumatisée. En fait, j'adore, mais qu'est-ce que c'est chiant et long. Allez, on est parti pour le sable de l'enfer. Pareil, hein, parce que là, j'étais passé avec de l'herbe, donc... Puis ça, c'est les cadres, ils sont pas bien faits, hein, monsieur. Du coup, moi, je sais pas.
frustrant, c'est de voir que le compteur reste bloqué à 97%. Ah, là. Eh non, toujours 97, j'adore. Je vais pas passer non plus 3 heures à chercher les trous. Hop, il y a un petit trou. Le compteur ne bouge pas. Je vais arrêter là. Ok. Puis s'il fait nuit. Oh, c'est beau la nuit. C'est beau. Donc, nous devons placer l'objet de stepper. Alors, ça va être sympa ça aussi. Je le sens. Loisir, du coup. Celle de soins en plein air. Voilà ça. Quelle couleur on prend? Est-ce qu'on se casse le cul à faire des couleurs différentes? Alors, enfin, sinon, si je mets en bleu clair. Oh, ce ne sera pas comme ça. Oh, pff, allez, franchement. Ouais, bon. Je sais pas comment c'est une salle de sport en plein air, hein, franchement. Là, je. Pourquoi je me prends la tête? On va les faire. Voilà. Il faut que j'arrête avec mon majuscule. On va faire genre comme ça. Et recule Jean-Pierre. Voilà, on va faire un de chaque côté, c'est super. Allez. Hop. Deux coureurs. Deux coureurs. Ok, c'est quoi un coureur? Ça. Alors ça, c'est très bizarre. Je connais pas, mais ouais, d'accord. Bon, on va mettre ça là comme ça. Ouais, moi j'aime bien changer les sens. Hein, c'est très bizarre. Ça, lui, il va donner des coups de pied dans celui en face. On s'en fout. Plateforme vibrante. Oh, mais c'est bien ça, la plateforme vibrante. Ah, d'accord. Non, d'accord, d'accord. Moi, je dis rien. C'est spécial. Il en faut combien? Il en faut un. Ah ouais, non, mais un seul, ça suffit hein, pour se faire vibrer. Je vais le mettre là dans le coin. Hein, comme ça, celui qui veut se faire vibrer, il sera tranquille. Qu'est-ce que je fais? Barre de traction fixe. Une barre de traction fixe, ça. Qu'on va mettre en... Comme ça, c'est très bien. Tu vois, je vais mettre plutôt au fond, là, vers les arbres. Voilà. Échelle de gymnastique verticale. Rien que ça. Ah, ça! Non! Là, c'est horizontal. Ça. C'est très bizarre, monsieur. Mais je veux pas de rouge, déjà. Voilà, on va tout faire en bleu, là. C'est très bien. Bon. Hop. Échelle de gymnastique horizontale, cette fois-ci, bien Jean-Pierre. Alors, j'ai dit pas de. Voilà, c'est très bien. Pas de rouge. Je suis pas fan du rouge, donc on est là. Voilà. Barre de traction. Ça. Très bien. Barre de traction. Je veux dire. Hop. Placer l'objet vélo elliptique. Ah, ça c'est ce que je faisais tout le temps du vélo elliptique. Quand on avait une salle de sport au boulot qui a fermé il y a bien longtemps. Et que, bah, puis en plus, de toute façon, je suis partie du taf, donc, bah, voilà. Je n'irai plus. Mais j'aimais bien vélo elliptique. C'était vraiment... on était actifs de haut en bas. Et c'est beaucoup mieux que le vélo tout court. Le vélo tout court, ça m'ennuyait profondément. Barre de gymnastique. Ça. On va être en bleu. Tant qu'à faire. Alors, barre de gymnastique. On va mettre ça là. Je sais pas dans quel sens ça fonctionne ces trucs là. Banc de gymnastique. Ça. Bleu clair. Il n'y aura rien au milieu, vous avez remarqué. Hein. Allez, je vais mettre le banc de gymnastique ici. Voilà, ça occupe un peu. Corde de gymnastique. Corde de gymnastique. Qu'est-ce que t'as ça? Ok.
Ah, mais le truc l'angoisse, ça, c'est le truc de l'horreur, ça. C'est quand en école primaire, on est obligé de faire de la corde, j'ai jamais réussi à grimper. Dorsi haut. Ça, je l'ai vu, ce machin, c'est un truc bizarre, hein. Ça, ah ouais, ça. Oh. On veut pas du rouge, on a dit, madame. Je vais mettre... bah là. Si je regarde pas ce qu'il faut, sac de frappe. Ouais, ça, c'est cool. Qui est bleu. Bon, il y a un peu de rouge. On va mettre en gris. Voilà. Sac de frappe. Bon, on va le mettre là. C'est qu'ils vont avoir un sacré équipement quand même, hein. Ah, il est chanceux. Barre de gymnastique verticale. Encore, ça? Il y en aura deux? Il n'y a rien au milieu, j'adore. Écoutez, on s'en fout. Hein. Barre de gymnastique. Ah, c'est barre de... Attendez, je m'ai gouré? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis échelle, mais qu'est-ce que je suis bête? Barre de gymnastique. Barre de gymnastique. Ça? Bah non. Attendez, barre de gymnastique. Ça! Oh là là! Ah oui, d'accord, non, mais je ne voyais pas ce que ça pouvait être. Donc je vais vendre ça, en fait. Ça, je l'ai pris pour rien. Et c'est bon! Voilà, il nous reste que le sable sur 3%, j'ai pas envie, quoi. Voilà, notre salle de sport. Bon, il y a beaucoup de trucs. Il y a le vibromasseur, là, qui est juste là, tout seul dans le coin. Bon, je vais perdre du temps. Je vais mettre des trucs un peu partout. Et puis voilà. Ça. C'est Jean-Pierre qui sera content aussi. Voilà, hein. C'est un peu plus habité, hein. Ok, allez, on passe à la suite. Oh, j'ai pas envie de faire cette partie-là, elle va être chiante. Je suis bien obligée, hein. De l'herbe ici. Ok. On est parti pour de l'herbe. J'espère que ce sera moins relou que tout à l'heure. Grand rouleau. Je dis, je mets un rouleau là. Un roulal. Un roulal? Des rouleaux. Oui! Ça recouvre carrément le sable, mais... Puis à ça après. Bon, il me dit que c'est fini. Chouette. Le truc qui me donne pas envie de faire. Des pavés en béton double. 16 pavés. Oh là là. Pavés en béton double. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Il ne faut pas plus. Il nous faut placer 3 banques roses. Ah! Ok. Cool. Je vais les mettre dans la non-herbe.
suis bien, non? Et après, je vais mettre que des plantations. Voilà. Arbuste de conifères. Attendez, je vais déjà mettre les arbres à port arrondi, hauteur 5 mètres. Arbre à port arrondi, ça veut rien dire, bordel. Arbre à port arrondi. C'est ça? Ouais, d'accord, ok. On va te mettre là. Et là. Il m'en fallait trois. Il m'en fallait trois. Le dernier, je vais le mettre à côté de d'un banc. Voilà. Arbre à port arrondi à hauteur 1,5. Ça, je l'ai vu. Il est plus haut. Non, bah non. Putain. C'est ça. Je vais le mettre là. Hop. Et là. Il m'en faut trois aussi. Je vais le mettre là. Là. Normalement, c'est bon. Et il reste arbuste de conifère forme irrégulière. Quoi? Arbuste de conifère de forme irrégulière. Arbuste de forme irrégulière. Ça. Les fameux. Allez. Il nous en faut deux. Ah oui, mais ils sont énormes. Hop. Hop. Allez. Les plantes doivent être plantées. Non, tu crois? Oh la vache. C'était pas les bons trucs. Arbuste à port arrondi. Plante, arbuste. Oh, ça me saoule. Mais j'ai mis arbre et pas arbuste. Oh, j'en ai ras le bol, les gens. J'ai planté trois trucs pour rien. Bah ouais, mais leurs appellations sont tellement compliquées. Ah, c'est ça? Oh. 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 Je suis désolée. Mais je vais devoir me séparer de vous. Tac, allez hop, on est reparti pour un tour les enfants. Du coup, est-ce que je peux le mettre là? On va le mettre là. On va mettre un à chaque côté de... derrière les bancs, comme ça. Lui, il veut pas. Il a pas envie. Il dit non, il n'y a pas cette place. Eh bien, on va te faire fluer. Mais... Ah, là. Et le dernier. Ça, je crois que c'est lourd. Hein. Le jeu me dit que c'est un petit peu lourd. On va mettre là. Voilà. Je vous jure. Nous avons donc fait quasiment toutes les tâches. Il manque toujours mes 3% ici. Mais ce n'est plus une vieille décharge pourrie. Nous avons réussi la mission. C'était long. Honnêtement, là, j'ai mis une heure. Donc, c'était vraiment le cas. J'espère que j'arriverai à faire des cuts intéressants pour la vidéo. Parce que sinon, ça va être très très long pour vous regarder. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner si vous voulez en voir plus et activer la petite cloche. Et à regarder des petites pubs sur YouTube. Tout est dans la description. Pareil que pour tous mes réseaux sociaux si vous voulez me rejoindre. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vends déjà 13 000. C'est bien.
Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de House Flipper et petit live sur House Flipper pour pouvoir refaire le jardin. Je vous fais des très très gros bisous. Salut!